Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Francie Gaming. Et on se retrouve sur Cité Skylines pour la suite de notre aventure. Dans le précédent épisode qui a duré que 12 minutes, c'était trop court. Mais enfin, c'est pas grave, hein, 12 minutes. Au moins, je vous ai fait un petit peu. Au moins, je vous ai dit pourquoi j'étais. Pourquoi Cité Skylines a été un petit peu absent sur la chaîne. Mais enfin, il revient. Nous avons placé un aéroport. On va de suite connecter tout ça. Voilà. Il est connecté. Cette route est pas droite. Et c'est moche. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. J'aime bien ce quartier des affaires, c'est hyper beau. Alors, ici on va plutôt l'agrandir notre ville. Faut que je termine aussi ici. Déjà que ici faudrait que ça se mette. Faudrait qu'il y ait un peu plus d'habitants ici. Donc ici il y a des stades. Il y a un stade. Le bureau du gouvernement, il est où? Le bureau du gouvernement, il est là. C'est super. Alors. Mission, on va faire un petit peu d'une petite route qui va être comme ceci. Ensuite, on va le mettre en tournant. Là, on le tourne un peu. Ensuite, on le tourne encore. Jusqu'à qu'il fasse tout ce tour. Tout le tour. Voilà. Ici, on va mettre des bureaux. Allez, des bureaux. Deuxième quartier des affaires, ça fait plaisir. Hop, bureau. Bureau. Je fais attention parce que il y a le rond-point. Voilà, maintenant je crains plus rien. Ici par contre, non, tu t'effaces. Voilà, hop, tu t'effaces. Donc ici, ça sera le quartier des affaires qui est irrigué, qui est parfaitement bien. Oh, il y a l'avion! Un jet. Ah, c'est trop bien. Voilà, donc on a un aéroport, ce qui est bien. Ici il y aura rien puisque c'est un aéroport quand même. Donc ici on a agence de voyage du sourire. Ok. Top barking. D'accord. Donc là, on est encore dans le quartier des affaires, donc ça fait plaisir. On a une université, on a un collège. Donc ici, il faut qu'on termine, faut qu'on agrandisse un peu par là, faut qu'on termine un peu notre ville. Ouais, on va agrandir notre ville. Square Prairie. Ouais, c'est bien. Spécialisation, industrie. Ah, aucune. J'ai eu peur. Bah ouais, bah fallait pas y être ici. C'est tout. Donc l'aéroport. Passagers accueillis la semaine dernière. 37. Ok.
On va le mettre là. Il y a un cinéma ici. Ah, la mairie. On va le mettre ici, la mairie. On va le mettre ici. On va le mettre dans le quartier des affaires. Ici. Voilà, hop. Et ici. Voilà, une belle petite ville avec plein de bâtiments uniques. Ça va attirer des transports, ça. Enfin, ça va attirer des touristes. Pas des transports, que je suis bête. Papa qui s'installe très bruyamment, mais c'est pas grave. Le peut-être entendu, hein. Qui respire aussi. Enfin bref, centre commercial. Ça a l'air joli quand même. Ah ouais, j'aime bien ces genres de centres. Non, en fait, c'est pas joli. Lol. Nous allons voir les touristes. Touristes. C'est où les touristes? Divertissement. Il y en a un peu partout, hein, des divertissements. Voilà. Y a pas de touristes. Ça va, collège et lycée, c'est pas trop ça, mais ça va. Niveau de la circulation, c'est très 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 bouchonneux. Surtout au centre-ville, hein. Là, c'est pas vraiment un centre-ville, mais c'est là le centre-ville. C'est tout ça. Toute la rue Sainte-Catherine, c'est un centre-ville, hein. Bah oui. Les pompiers, ça va. Pollution moyenne du sol. Ah ouais, ok. Éolienne. Ouais. C'est ici où il y a le plus de vent. Enfin bref. On a tout, on a bateau, on a aéroport, on a train. On a tout, les gens, on a tout. Tout comme une tout d'une grande ville. On a un aéroport, là on a le système de train. Une gare ferroviaire, notre gare de marchandises. Ici et une ici. Voilà, les gens sont contents. Il y en a un qui vient d'arriver. C'est
C'est super beau la nuit. C'est trop beau. Personne, bah, attendez, plein d'exigences commerciales, vous pouvez vous agrandir, hein. Très 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 loin. Besoin d'industrie. Pourquoi pas des besoins commerciaux, résidentiels? Je veux que ça soit du résidence. Ici par contre, c'est pas super. Ici aussi, on va en mettre un là. Comme ça, il y aura moins de danger. On va en mettre un là. Il y aura un petit peu moins de danger. Et un ici. Ah, je veux pas que mes bâtiments aussi uniques ils se cassent. Donc voilà, un peu moins de danger. C'est très important de descendre le danger de la sécurité incendiaire. Disponibilité de santé. La santé moyenne est assez faible. Mais ça va. Utilisation en cimetière, 47%. Crématorium, c'est maximum. C'est très bien. Taux de criminalité. Toute la ville est bien. En école primaire, en collège, c'est pas super. On va en mettre un. Pour collège. On va en mettre un. Où ça? Il y en a un là. Lui, j'aime pas, mais ça, ça gêne. Moi, j'ai pas envie de casser les bâtiments. Bon, on va en mettre un là. Oup, voilà, une école. Enfin, un collège en plus. Hop, ça fait plaisir. Et en université, c'est très très bien. Niveau des citoyens, bah, c'est bien. Au centre-ville, c'est max. Là, ils ont tous les loisirs qu'ils veulent. Ils sont très très contents. Tour du grand intérêt, tour des transports. Si c'est vraiment là où il y a le plus de trucs à voir. On a la mairie. Tour du grand intérêt, tout. Caserne de pompiers. Pff. On est vraiment une grande ville. Une énorme grande ville. On est les meilleurs. Non, on a même un train. Ding dong. Il y a un petit bug. Bon, enfin, c'est pas très grave. Ici, il n'y a plus rien. Ici, c'est devenu l'autoroute de rien du tout. Hein. Je voudrais que j'agrandisse là et là. Et ça sera tout. Ouais, je peux déjà acheter. Il manque plus que celle-là et ça nous fera un. Mais ça nous fera un 9-9. 9 fois 9 de kilomètres de terrain. Polu-quartier qui s'étend tout ça, donc bon. Que ça bouchonne, ça bouchonne pas du tout, pas du tout, mais je sais pas du tout. Bon, à part pour rentrer, mais bon, ça c'est pas trop grave. Ici ça bouchonne par rapport au port de marchandises et c'est tout à fait normal.
Il est disparu. What? Si on a le port. Pas très bien mise, mais bon, c'est pas grave. Il n'y a que l'aéroport et la gare ferroviaire qui est vraiment bien bien installée pour le tourisme. Ça s'agrandit niveau commerce. Par ici, c'est très bien. Ici, je vais pouvoir casser. Voilà. On n'en a plus besoin. On a l'aéroport, ils ont tous les habitants pour être heureux. Ils ont tout. Tout, tout, tout. C'est une très bonne ville, très belle ville surtout. Si vous n'avez pas vu toute la playlist du jeu, enfin, de mon let's play, ben je vous le conseille vivement. Il y avait quelques débats. Et surtout beaucoup d'améliorations sur Cities Skylines. Sur mon jeu. Sur le jeu. Et ça fait plaisir. Donc si vous voulez tout regarder, ben regardez tout. Ça me fera déjà très plaisir. Surtout si vous le partagez à vos amis, etc. Ça serait génial. Puisque je commence un petit peu à me développer. Donc voilà, je suis content. Jet, 38 personnes. Et toi? 42. C'est super ça. 6 personnes. What? 4 personnes. Enfin bon, les gens sont heureux. Enfin, il y a moins de gens. Je comprends pas. Pourquoi il y a moins de gens? La plus attractive. Oh yes, on a gagné. Notre ville est la plus attractive. Bah c'est sûr, avec tout ce qu'on a. Ça m'étonne pas. Les lumières s'allument. Regardez cette belle ville s'allumer. C'est quand même une grosse ville. Une très grosse ville. Ça fait plaisir. Plaisir, plaisir. Que tout ça, ben, je l'ai fait avec vous. Je l'ai fait vraiment avec vous. Ça c'est... Excusez-moi. Pourquoi ça diminue? Oh, c'est chiant quand ça diminue. Ah, on a eu un petit peu d'exigence résidentielle. Bref, ça diminue, je sais pas pourquoi, ça diminue en masse. Ça fait peur quand ça diminue. Enfin bref. Bien les amis, ben, je vous remercie de m'avoir suivi. Un mort attend d'être transporté. Bon, ben je vous dis, les amis, qu'on se retrouve pour un prochain épisode de City Skylines. Et merci de m'avoir suivi, ça me fait toujours plaisir que vous vous abonnez, vous lâchez un like ou un commentaire, ça me ferait toujours plaisir. Et merci de m'avoir suivi, surtout, surtout, jusqu'à la fin. Et je vous retrouve pour un prochain épisode, dans 2 jours. Allez, à plus tout le monde!